Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien, j'ai l'impression qu'on est un peu loin. Attention, je vous rapproche, tout va tomber. Ah, attendez, je reviens. Bougez pas, bougez pas. Putain, pardon. Purée, tout s'est planté. Olé, olé. Olé, olé. Bon, alors, je bien, tout va bien. Ma maîtresse en maillot de bain, j'aime bien faire ça. Ah, d'accord. Alors, c'est une petite vidéo, produit terminé, sauf que la poubelle est à 10 km de moi. Donc, j'ai essayé de la rapprocher. Bon, c'est pas grave, je mettrai tout dedans après. Alors, nous avons quelques produits finis depuis la dernière vidéo. Ouais, il n'y a pas de temps, il n'y a pas dans. On ne sait pas. J'ai terminé. Moi qui n'aime pas ça d'habitude. Je sens qu'il y a un doigt qui merdouille. Pas grave. J'ai terminé une eau micellaire douceur. Ouh, je vois que ça penche. Normalement, je n'aime pas l'eau micellaire. Je n'aime pas l'eau micellaire. Je n'aime pas les routes nationales. Je sais plus ce que c'était. Rappelez-vous, il y avait un sketch de Jean-Yann sur j'aime. De toute façon, je m'en fous. Je prends jamais les routes départementales. Rien à voir. Si, mais certaines comprendront l'allusion. Les autres n'ont rien pané comme d'habitude. Non, comme d'habitude, je veux dire, c'est normal. J'emploie des références qui datent de la dernière guerre, pas tout à fait, mais presque. Bon, bref. Donc, j'ai terminé une eau micellaire douceur en comment dirais-je, en taille voyage de chez Topicrème, que j'ai eu certainement dans le L. Mais j'adore ce qu'il y a dans le L. C'est souvent des petites choses que je ne connais pas, ou bon, soit Topicrème, je ne connaissais pas d'ailleurs, mais bon, je pense que ça ne vaut pas grand-chose, enfin je veux dire au niveau prix, attention. Et par contre, j'ai bien aimé cette lotion, cette eau micellaire, parce que j'ai trouvé que vraiment, elle démaquillait très bien, même les yeux. Oui. Bien que je ne me maquille peu les yeux. Bon, en dehors du mascara en haut, en bas, tralala, ça a un peu gabouillé, hein, comme d'habitude. Mais parfois, le mascara est difficile à retirer. Un truc qui m'énerve, il y a un petit morceau d'ongle qui se soulève là. Mes ongles se dédoublent. C'est pourquoi j'ai cessé, entre autres, hein, entre autres pourquoi. J'ai cessé le vernis semi-permanent. Pas pour ça en vrai, parce que c'était finalement trop cher au bout du compte. Donc je le ferai. Je vais articuler. Je le ferai de temps à autre, mais pas tout le temps. Là donc j'ai arrêté. Peu importe le vernis, mes ongles se dédoublent. Donc là il y a un dédoublement qui me gêne. Dédoublement, c'est comme sur l'autoroute, vous savez, le doublement qui te dérange. Hein. L'autre, okay. Allez, basta. En plus, j'ai mis dessous du mascara ou je sais pas quoi, ça fait l'ongle noir, c'est absolument dégueu. Par contre, j'ai testé, je savais pas, si je mettais sur mes ongles un vernis rouge, le vernis rouge, je crois que c'est celui que j'aime le moins. Parce que ça fait trop. Trop mémère, trop tradition, ou alors à l'inverse, trop. Comment je peux dire ça? Pas pouf, mais. Attention à celles qui mettent du vernis rouge, je n'ai rien contre. Ou au contraire, trop élégante. Trop élégante. C'est exactement l'accent qu'il faut pour dire ce que je pense. Pas l'accent, l'intonation. Bref, on s'en fiche. Donc, je n'ai du vernis que sur un doigt.
bon gars. Alors, bon, il y a peut-être un dessous d'ongle qui est plus ou moins propre. Pourtant, j'essaie d'y faire attention. Mais là, il y a du mascara sous l'ongle. Vous ne l'auriez pas vu si je ne vous l'avais pas dit. On dirait un imbécile. Il faut que je mette mes deux épaules à la même hauteur, je n'y arrive pas. Bon, je suis dans la cacade, vous ne savez pas pourquoi, je ne vous le dirai pas, mais je suis dans la merde dans l'instant. Oh. Ouh. J'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça, parce que c'était con, inutile et sous embrouille. Mais des fois, j'agis sans réflexion. Bref, chérie, excuse-moi, j'ai suicidé une bornawak. Toi seul comprendras. Ouais, donc cet eau micellaire, j'ai bien aimé. Achèterai? Non. Puisque je ne suis pas très eau micellaire. En revanche, j'ai une eau micellaire à utiliser, pas encore entamée, de chez Nuxe. Je vais la tester quand même. Moi qui n'aimais pas les eaux micellaires, pas savoir Charles. Et surtout, bien entendu, je les rince après, toujours. Je rince une fois, je rince deux fois, et après éventuellement je fais un second démaquillage ou quelque chose comme ça, vous savez. Excusez-moi, j'ai fait une interruption. Chérie est rentrée en faisant la gueule, c'est normal. Vu que j'ai merdé. J'ai merdé pour faire une blague et ça s'est retourné contre ma tronche. Je ne suis pas dégourdie. Bon, bref, donc, rachèterai, non, je me répète, pardon, rachèterai, non, utiliserai la Nuxe, peut-être, vu qu'en ce moment, vraiment, je me maquille peu et surtout tellement rarement, je peux utiliser de l'eau micellaire. Moi, je trouvais, avant, que l'eau micellaire était quelque chose de, comment dirais-je, presque d'agressif sur la peau. Je trouvais ma peau, elle était. J'avais l'impression que quand je prends des cotons lavables, des maquillants que ma fille m'a fabriqués, m'a offert de sa fabrication, ben, je trouvais que ça laissait ma peau comme agressée. Donc j'aimais pas. Mais celle-ci, je l'ai aimée. Pourquoi? Est-ce qu'elle est super douce? Oui, ça dit eau micellaire douceur, on est d'accord. Mais bon, on va pas faire 3 heures sur l'eau micellaire. Donc j'achèterai pas. En revanche, j'en ai une de chez Nuxe qu'il faudra que j'utilise. Qui est aussi, je crois, un flacon voyage. Oui. Alors attends, attends mon gars, attends. Faut que j'essaie de gérer la chose parce que c'est le business. Attends, on va continuer pour le visage, par ce qui est visage. Vous penchez, mais j'ose plus vous bouger. Si je vous bouge, tout tombe. Donc j'ai terminé une crème Nutri Défense, confort intense, réparatrice, peau sèche à très sèche, ce qui n'est pas mon cas. J'ai une peau normale. À tendance normale. Ça varie. Je peux avoir un bouton un peu de ci, de là, parfois. Des petites régions sèches, parfois, oui. Donc, en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis à tendance normale. C'est difficile de déterminer ma tendance de peau. Bref, donc c'est. Ah oui, c'est la marque Yonka Paris. J'ai eu ça, je ne sais pas où, je crois certainement également, ouais, ça va ensemble. Ouais, elle peut être vendue séparément. Dans un L ou dans un magazine quelconque, mais comme je ne prends que le L, me semble-t-il. Non, je mens. Il m'arrive de prendre Marie-Claire. Parce que Marie-Claire, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, ça. Parce qu'il y a des interviews, zouz, ou bien des reportages assez pointus.
Donc ça aussi, donc c'était un petit échantillon. Donc Yonka, crème nature, non, Nutri, et voilà, Nutri Défense. Là, c'est bien, je pense. Voilà. Bon, mais là, on a fait deux articles. Hein. On va bouger le trophignon. Alors, j'ai terminé à mon grand désespoir. Quoique, si ça se voit pas un peu. Le contour des yeux, Garantia, larme de fantôme. Contour des yeux et paupières, anti-cerne, anti-poche, ce qui me concerne. Anti-relâchement hydratant, ce qui me concerne. Il a eu 5 brevets, ce petit gars. Ouais. Alors, le premier, figurez-vous qu'au prix qui coûte, je l'avais eu dans le L pour 3,50 € je crois. Longtemps déjà. Alors qu'il fait. Ben mince, j'ai un trou. 39 € dans la vraie vie. Et donc, ça c'est mon second. Hein. Donc ça c'est celui que j'ai appelé. Acheté plein pot. Donc 150, ben, bien sûr. 39 € les 10 millilitres, ça fait mal au fût. Au fenu, ça fait mal au fenu, qu'elle dit. C'est lui qui, je crois, aide mes poches à disparaître. Là, il y en a un petit peu ce matin. Aurais-je mal dormi? Non, pourtant, enfin, j'ai dormi comme dame. Remplacé par quoi? Par le contour des yeux de chez Nuxe. On verra s'il fait son travail. Bon, en même temps, il n'y a pas de marqué anti-poche hein, sous le Nuxe. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je verrai si j'arrive à me dégoter autre chose. Peut-être. Donc terminé, oui, je vous le conseille à 1000%, parce qu'il est génial, formidable. Mais il est cher, 39 €. Bon, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça. Mais Garantia, je commence à bien aimer la baïte. Ensuite, alors, tiens, puisqu'on parlait des poches. J'ai terminé d'avoir deux et vous les voilà. J'en ai deux. Et va les faire tomber. Boudiou des boudiou. Oui, bon ben les vieux comprendront. Boudiou des boudiou. Ça veut dire au nom de Dieu, au nom de Dieu. J'ai terminé deux petits contenants. De toute façon, il n'existe que comme ça, de 30 millilitres de masque Yves Rocher, masque ressourçant. Je vous en ai déjà parlé. Défatigue ta peau. À la sève d'agave. Bon, ils disent que dans le petit tube de 30 minutes, il y a 5 applications. Ça dépend de ta tête, la taille de ta tête. Une grosse tête, t'en as 3. Et une petite tête, t'en as 10. Comme je suis entre les deux, enfin plutôt vers la grosse tête. Oui, parce que moi, j'ai la grosse tête, elle est dedans aussi. Bon, tu mets pas du masque à l'intérieur. Bref, je vous montre. Je vous assure qu'il est génial. Alors, c'est. Il retend la peau. Et ça. En poser un. Il retend la peau. Et ça, je pense que ça a énormément travaillé sur mes poches. Sur les poches de mes yeux. Parce que. Alors, le problème, c'est que je ne saurais pas définir si c'est ça ou ça qui a aidé à effacer les poches sous mes yeux. J'ai essayé de les mettre, parce qu'au début, je les avais mis à quasiment en même temps, en même temps, hein, parce qu'un jour je fais le masque, un jour je mets ça. Mais donc c'était concomitant. Quel joli mot. Et je n'ai pas réussi à définir si c'était ça ou le masque, donc en les mettant
l'un et l'autre avec un espace-temps assez large, j'ai pas réussi à savoir qui marchait le mieux. J'ai pas réussi à le définir, c'est idiot, j'ai cherché pourtant, et ben j'ai pas trouvé. Ce qui veut dire que ça, vu le prix, je ne rachèterai pas, donc nous aurons, puisque ça, je le rachèterai. En revanche, les magasins sont fermés, je pense. J'ai regardé, c'est pas très défini sur leur site, c'est pas clair. Et surtout, j'ai vu sur le site qu'il n'y était plus. Voilà, mes lunettes, dans le fond, vous avez entendu le bruit? Elles ont fait. Il n'y était pas sur la page des masques. Il n'y est pas, mais que vais-je venir? Là, je trouve un remplaçant. Il va falloir que je tâtonne alors que j'ai tombé dessus par hasard. Je ne sais pas. Bon, bref, on parle de choses. Je ne sais pas ce que sera ma vie maintenant. C'est le bordel. Ah, je vais vous parler d'un gommage corps fondant. Oui, parce qu'est-ce qu'il reste? Ah, si, il reste, si. J'avais essayé de séparer les choses, de les ranger, comme d'habitude. Ça n'a pas fonctionné. J'ai mal mis mon rouge à lèvres, on dirait une vieille. Ah, ouais, franchement, quand je regarde la glace là, attends. Non, c'est moche, bon. J'ai terminé un gommage corps fondant de chez Nuxe Paris Body. Alors, il est aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, exfoliant végétaux. Alors, il est très bien, il sent très bon, mais c'est un gros mais. Je vais essayer de vous le montrer. Quoi que vous verrez peut-être dans le couvercle. Il a des gros grains, mais des très gros grains. Vraiment. C'est vraiment. C'est pas des pétales de rose, hein, ça. C'est des exfoliants végétaux. De quoi donc? Je ne sais pas, ils ne vont pas les passer la nuit, ni la journée, ni l'année. L'année, de toute façon, vu que c'est la merde que c'est. Je pense que vous n'entendez rien de ce que je raconte. Alors, non, mais il n'y a pas marqué. Bon, je ne sais pas. Il y a des énormes, on dirait des noyaux de quelque chose broyé. C'est très très gros. Donc, il ne faut pas craindre de se passer ça sur le corps. C'est très abrasif. Hein? Moi, j'aime quand c'est dur et abrasif. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai mieux, c'est le Avène que j'ai dans la chambre. Non, que j'ai dans la douche, dans la salle de bain, dans la douche. J'ai du Avène dont je vous parlerai quand j'aurai fini. Qui est pas mal au niveau gratte-gratte, mais pas aussi bien, mais par contre beaucoup plus voluptueux. Celui-ci, voilà, au niveau de la volupté, c'est pas terrible. Rachèterai, non. Et B, oui, remplacé par, donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Attends, je vais me faire du. Oh là là, mon pantalon qui est tombé dans les trucs. Oui, du Avène. En plus, du Avène, la couleur est rose, somptueuse. Bref. Ensuite, j'ai terminé. Une mousse de douche Cosmia qui nettoie et hydrate. Heureusement qu'elle nettoie quand même, c'est pour se laver. Et ça s'appelle Balade en Polynésie. C'est de la marque Cosmia. Donc Cosmia, c'est la marque de chez Auchan. Voilà. Remplacé par lui-même, je l'ai racheté. Et en fait, j'ai acheté ça parce que je voulais une mousse de douche et c'était la seule qui est sur le drive. Donc ça remonte à un moment. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ah, j'adore cette mousse, c'est très, très épaisse et je me suis dit, ça va rien durer ça. Ah, bah si, ça dure longtemps en se lavant tous les jours, oui, à deux. Moi, je sais pas si je réutilise ça lui, mais bon.
Bref, peu importe. En tout cas, à une, ça dure très longtemps. Et la mousse est une mousse compacte. C'est pas, elle, compacte, mais en même temps, voilà, on dirait vraiment de la mousse chantilly. On dirait vraiment de la chantilly. Elle est en même temps compacte dans le sens où elle s'effrite pas quand vous l'avez dans la main. Elle tient dans la main, tient dans la main, tient dans la main, tient dans la poche. Ouais, ça aussi, c'est une publicité ancienne. Oh, c'est ça, il y avait plein de petits trucs. Enfin, bref, je vous conseille vraiment. En revanche, je n'ai pas fait gaffe en allant hier en magasin s'il y avait d'autres parfums. Certainement. Le parfum très agréable. Polynésie, ça ne peut être qu'agréable, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, nous avons encore. Ouh, on en a encore les gants. Il faut que je me dépêche parce que je veux tourner une deuxième vidéo. La cacade. J'ai fait un test avec des échantillons que m'a donné mon pharmacien. Mais j'ai pas vu, mais il m'a donné des. Il l'a mis dans mon sac de médicaments de la maison, enfin, un médicament pour Chérie et moi. Donc, il ne savait pas que je connaissais déjà par cœur, mais il a eu raison quelque part. On reprend. Il m'a donc donné des échantillons de la marque La Rosée. Vous connaissez La Rosée depuis le temps que je vous en parle. Et je crois bien qu'il n'y a que moi qu'on parle. Mais dans quelques temps, tout le monde va en parler. Tout le monde va avoir un partenariat. Vous allez voir. Comme Pierrico. Rappelez-vous, Pierrico, ça fait très 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 longtemps que je vous en ai parlé la première fois. Bah, depuis, c'est devenu un best. Allez voir ma première, la première vidéo où j'en parle. Depuis, c'est tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Merci, monsieur Ardisson. Quoi? Bon, bref. Donc là, c'est un duo. J'en ai eu trois ou quatre. Hein. Donc, il y avait le gommage doux visage à l'aloe vera bio. Donc, 2 millilitres, hein, donc c'est une fois, bien sûr. En tout cas, moi, ma grande gueule. Enfin, ma large gueule. Gueule. Oh, bah, ben, là, t'es jolie. Et pour mettre après le gommage, nous avons le gel crème hydratant au concombre bio. Pensez bien que celui-là, je le connais par cœur. C'est celui que j'achète toutes les années, que je mets dans mon frigo. Donc, le gel crème hydratant, je le connaissais et j'adore, évidemment. Et là, ce n'était pas au frais, mais ça reste frais quand même. Le concombre reste frais. C'est un truc bizarre, ça. Et le gommage doux visage, je crois que j'en ai un flacon, en fait. Que j'utilise rarement parce que j'ai tellement de trucs de ci, de là. Heureusement, je ne reçois pas des produits, moi, par les marques. Parce que comment je ferais pour tout utiliser? Déjà, je m'envoie avec toutes les petites choses comme ça. Bref, donc, mais j'ai bien aimé le gommage doux visage. C'est des grains très fins. Dans un gel onctueux. Non, pas dans un gel onctueux. Dans un gel bleuté, c'est très agréable. Donc, vous savez que la rosée, je vous le conseille à 1000%, je vous en parle tout le temps. Vous n'avez pas encore compris que c'est génial. Ah non, vous devez avoir une drôle de tête, mais j'essaie de lire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est 96% naturel, ultra sain et efficace, éco-responsable, plaisir incomparable. Une charge drastique, 0% de parabène, d'huile minérale, mite, je vois mal en fait, j'allumais en pleine tronche, phénoxyéthanol, BHA, BHT, sulfate, phtalate, bon. Passer un coup fin, benzophénol, benzo, c'est italien, rien à voir. Bref, donc c'est une marque quand même qui est sensibilisée
à la protection de la planète. Donc, je vous la conseille encore plus. Disons, Chris, t'as goûté. T'as essayé ou pas? Puis tant que je t'en parle, t'as pas envie de m'envier, pas me pomper l'air non plus. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que ça dure trop longtemps, ouais, et j'ai une autre vidéo à vous tourner. Le reste, on fera un autre jour, les enfants. Voilà, on ça. J'ai acheté à mettre dans la poubelle, déjà j'arrive à l'atteindre. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Donc ça, voilà. Je vais tourner vite fait une deuxième vidéo, mais vite fait. Hein. Oh, j'ai tout envoyé pour promener là. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Vous êtes les meilleurs de la planète. Bon, après moi. Vos chasses, ma bouche, ça. Et jolie, celle-ci. Salut, les enfants. Passez un bon week-end. Oui. En cabané. Et alors, t'es en cabané, tu fais avec la cabane, hein?